C'est qui? C'est moi, Arissé. Hé, hey, mon petit, c'est toi. T'as dit quoi? Ton petit? Mais mon petit, t'es mon petit. Arissé, tu sais, je te respecte. Hmm? Et respecte-moi en retour, s'il te plaît. Mm. Le titi d'amour que tu as connu avant là, hein? Il est mort. Maintenant, c'est le dieu Cupidon. Donc, je te prie de ne plus m'appeler petit. J'ai compris, papa. Ne m'appelle plus petit. Assieds-toi, papa, j'ai compris. Tu peux prendre place. Merci bien. Mmh. J'ai lu Ashley. Et peux-tu me dire ce qui t'amène chez moi? Je te jure, le match qui va se jouer là maintenant, Cristiano Ronaldo n'a jamais vu ça. Il dit que même Samuel Eto'o, Zidane n'a jamais vu la qualité de match là. Oui, même si c'est la boxe, Bruce Lee n'a jamais boxé, bébé. Il n'a jamais boxé. Tu me crois? Ah, c'est pas possible, il faut jouer la vie. Bonjour la vie, mon amour, Jordan, tu connais Jordan, non? C'est ça, les paniers de Jordan, les baskets là, il veut te basket. Ouais. Tu veux dire que depuis un certain bout de temps, t'as pas remarqué que je te regarde différemment? Moi, j'ai pas remarqué. Sérieux, là? Vu que moi, j'ai pas ton temps, donc j'ai pas remarqué ça. Ouais. Ashley, tu es une belle fille. T'es magnifique. Merci. Je t'aime, Ashley. Non, arrête ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois pas que tu es petit pour moi? Oh, Ashley, laisse-moi te dire, un enfant qui satisfait des grandes personnes est un adulte. Ah, tu es un adulte. Bah oui. Une nouvelle m'est pas venue. Comme quoi tu sois avec les matières. Regarde l'exemple du président français, Emmanuel Macron. Tu le connais, non? Eh oui. Ah, tu sais quel âge sa femme a? 75 ans. Ah, tu vois donc que toi, c'est un petit problème, hein? La différence entre toi et lui, c'est que tu n'as rien. Lui, c'est un président. Je suis le président des jeunes de mon quartier. Je dis, quel est même ton point sensible réellement? Je te caresse depuis la mer, hein, bébé? Mon amour, dis-moi, quel est ton point sensible? Tu aimerais connaître quel est mon point sensible? Hein, chérie, oui. Je veux connaître quel est ton point sensible, mon amour. Ma main. Hein? Ta main comment, non? Eh bien, quand tu mets de l'argent dans ma main, je suis très excitée. Ah, c'est un beau voilà. Mais je ne me donne pas l'argent aux femmes. Ah, ça très drôle. Attends, donner l'argent aux femmes? C'est vous qui payez ma formation? Je dois manger, je dois boire des calories, je dois boire des calcium pour avoir de l'énergie, pour avoir de la vitalité, pour être vif comme l'éclair. Et tu me dis que c'est moi qui dois payer. Au contraire, on doit me rémunérer au diapason de mes efforts. Bon, ben, moi, je t'ai rien demandé, d'abord. Et en passant même, je ne sais pas pourquoi tu parles. Je perds mon temps à causer de ce sujet avec toi, avec un enfant comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Ashley,
Si tu me goûtes, tu vas caler. Vas-y voir dehors si j'y suis. S'il te plaît. Pardon, Ashley, si, attends. Si. Tu... Vas-y voir dehors si j'y suis. Tu me demandes de me mettre à la porte. Désolé. Tu me mets à la porte là. Du balai. En tout cas, chérie, la nuit porte conseil. Je sais que tu vas m'appeler. Ah, s'il te plaît. Du balai. Et tu fermes après toi. Je t'aime. Regarde-moi la magie. C'est la magie. Eh, Seigneur. Regarde-moi un bébé qui me dit qu'il m'aime. Ah, c'est pas possible. Voilà, t'as oublié les 10 000 que j'étais promis, chérie. Ah, c'est bon, mon amour. C'est bon, chérie. Dis-moi, on va tourner. Il n'a plus. Aïe. Il ne sait plus. Pardon.
te plaît, relâche un peu. Relâche un peu. Relâche un peu. Je ne savais pas. C'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que tu avais sur toi. Oui. Donne-moi mon argent. Je ne peux même pas regarder avec toi. C'est tout ce que j'avais sur moi. Je ne savais pas. Tu ne savais pas. Je ne savais pas que c'était le fourbier. Oh, pardon. Ne sais pas. Je ne peux pas me garantir, monsieur. Je suis en train de parler là. Attends, s'il te plaît. Attends. Voilà. Écoute-toi ça. Bon, d'accord, c'est quand même un bon téléphone. Relâche un peu. Ouh. Bon, d'accord, regarde un peu, c'est quoi qu'il y a sur le mur là, de l'autre côté? De quoi tu parles? Mon bébé. Bonjour. Oh, quand je te vois comme ça, tu ne t'imagines pas. Je peux mourir d'amour pour toi. La dernière fois qu'on s'est vu, mon bébé, j'ai oublié. Je t'ai même pas fait part des projets qui feront de nous les futurs milliardaires de ce pays. Assez un peu. Donc, c'est en vendant ces noyaux que tu vas devenir milliardaire. Hé, hey, mon bébé, les noyaux que tu vois là, ce n'est que le commencement. Je compte ouvrir le plus grand restaurant de noyaux au monde. On fera dans l'import et l'export des noyaux. Il y aura les noyaux en tout genre, mon bébé. J'aurai des brochettes de noyaux. Il y aura des noyaux pilés, des noyaux à la vanille, mon bébé. Il y aura des noyaux au camembert. Il y aura des noyaux à la vanille. Il y aura l'undu au noyau. L'undu. Il y aura des noyaux à la confiture de goyave. Il y aura des noyaux, des brochettes de noyaux, par exemple, mon bébé. Je vais faire des noyaux à la vapeur. La vapeur bouillant des noyaux. J'aurai des émincés de noyaux. Le poulet déchiré au noyau, mon bébé. Je vais même faire le caviar. Les noyaux de caviar. Oui. Il y aura le champagne. Des noyaux. Il y aura le noyau alcoolisé. Il y aura des noyaux pour mineurs. Il y aura des noyaux. Des noyaux pour majeurs. Je compte faire, mon bébé. Le gésier au noyau, mon bébé. Il y aura des noyaux pimentés, des noyaux pilés. Il y aura des noyaux hachés. Il y aura même le jang sans noyau, mon bébé. Il y aura toutes sortes de noyaux dans mon restaurant, mon bébé. Toute l'Afrique entière viendra consommer les noyaux chez moi. Tu vois, mon bébé, les noyaux. Ok. Elle est partie. Noyau, noyau.
Hey, combien? C'est comment? Mon frère, laisse-moi comme ça là. Je ne sais même pas ce qu'est peut-être expliquer, mon frère. C'est une longue histoire. Mince! Chips est devenu fou. Ce n'est pas possible. Chips a perdu la raison. Problème, hein. Noyau, noyau. Big Love Music. Bolé Pimakiri, j'ai 7 records. Ah oui. Allô? Oui, allô, bonjour, le cas d'Impolo. S'il te plaît, je ne sais pas si tu peux me retrouver au studio, j'ai besoin de ton service. Ah bon? Oui, au studio, nos limites, non, nos limites, en haut là. Ta chanson, c'est quoi? Oui, le thème, c'est les vendeuses de piments. Bizarrement, moi-même, j'ai une idée. Genre les gigolos, je ne sais pas si je peux insérer ça dans... Là, ça serait la bienvenue puisque vraiment je suis en manque d'inspiration. Ah, ok, à tout à l'heure alors. Elle vient? Elle vient, elle vient. Ok, ok, d'accord, c'est cool. C'est... Non, bon, juste le temps, on prend un peu là. Dis les gars, comment trois gars comme nous on a signé, il n'y a même pas une bière devant nous. Mais dis donc, tu as l'air, tu payes, non? Et voilà, en passant, il y a quelque chose qui est Wanda sur ça, mon commis. Comme quoi? La nga que tu n'as pas vu la petite nga qui est descendue sur la moto là, l'autre jour. Un goye, je suis honoré. Quel nga? Mais le cul dans là. Le cul dans là. Un goye, je suis tonton honoré, mon frère. Hey. Mais toi, c'est papa et sauf. Pourquoi tu aimes la chair comme ça, combi? Mais le type, si même me parle de quoi? Tu ne veux pas que j'aime la chair, toi, tu veux que j'aime quoi? Les os que j'ai vus là. Ça peut être l'os, mais c'est l'os mangeable. Mangeable. Mais bien sûr. Donc l'os a le goût. Tu sors d'où, Joe? Qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi vos faux affaires là. De toutes les façons, moi, dans le quartier-ci, je suis un boy sérieux. Oui, non. Je suis pas là vos machines que vous malaxez les femmes là. Moi, j'ai ma femme. Et je vais l'épouser, Joe. Ouais, je suis sérieux. Quand je vois l'Angala passer, mon cœur a des palpitations. Je pense à l'Angala le matin, à midi. Même lorsque je ferme les yeux comme ça, je dis, c'est le visage de l'Angala que je vois. Le type, c'est sérieux. Combi, peut-être le type, c'est le corona, mon combi. Ah, combi. C'est sérieux. Quand j'open même mon thermos de noyau, quand je regarde dans les noyaux, son visage que je vois, c'est masqué, dessiné comme ça. Le dieu, ce n'est pas là, papi. Jusqu'à ce niveau. À ce niveau, je vais épouser l'Angala. Ouais, mon combi. Ouais, mon combi. Abed. Voilà, en parlant du chien, on voit sa queue. Kim. C'est elle. Kanga. Langa que tu vas passer là, non, Joe. C'est l'anga, c'est qui est l'anga de tes rêves? Voilà alors l'anga de mes rêves. C'est la magie. Ah, c'est mon copain. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Elle parle au piment. Elle parle au piment. Qu'est-ce que tu n'entends pas pour que tu vends tout le piment? Va au ministère du piment ce soir, tu vas voir l'Angala là-bas. Seulement ce soir, n'importe quand. Il y a quoi que je ne comprends pas bien? Vous êtes jaloux. On est jaloux. Tu es jaloux, et son nom. S'il te plaît, mon frère, Magui, s'il te plaît, explique-lui. Le cœur du Mpolo a pris la gola l'autre jour. Il est allé dans une auberge avec elle pour passer la nuit. Il a donné l'argent à la go. Mof! Le cœur du Polo a lavé la go, séché, repassé toute la nuit. Le matin maintenant la go
En voulant battre, elle se rend compte que l'argent que le cœur du polo l'avait choqué est un faux billet. Je te jure. Elle dit qu'elle a serré, c'est-à-dire elle a arrêté les noisettes comme ça. Elle a arrêté ça dans ses dents. Elle a appuyé comme ça, elle s'est dit que là, ouais. Personne n'est venu. Il fallait que je mette encore mon deuxième. Hein? Ouais, le XTJ. Le XTJ est où? Il n'y a plus. J'étais obligé de mettre ce deuxième téléphone en gage pour que l'Angala me laisse sortir là-bas les dames. Et même pour me laisser sortir, je te jure que elle m'a seulement assommé. La gola a montré le papaye. Je te jure que. Bon, regarde, je demande, n'est-ce pas, dernièrement, hein, l'autre jour, tu m'as vu rentrer, Kachimini, sans caleçon. Ouais. Toi, tu crois que mes habits sont partis où? Ici, j'ai passé. C'est l'Angala. C'est la gola. Avec les cartons pour cacher ton wé. Elle a pris tous mes habits, tout. Il avait quoi, ma chaussure, mon complet. Sans caleçon. Combi, tu peux pas avoir raison, hein. Il fait bégayer même. Hey. C'est qui ça? Il y a quoi? Combi. J'ai même vu l'Angala le même jour. Elle avait les habits. Hey! D'un boy. Et avec la veste sur ça. Mais. Ta veste que je connais. Ah, c'est ça! C'est ça! Ouais, mais. D'abord, les habits. J'ai dit que mon commis ne cherche plus de midi à 14h. Va au ministère du piment. Chaque jour. En passant, il ne sait pas. J'ai sorti un son par rapport à ça. Il ne connaît pas. Va sur YouTube. Tu mets le cœur d'une polo, tu vas voir ce qui se passe là-bas. Bolé pimenté. On va finir ça en décembre. Tu l'aimes jusqu'à quel niveau? À mourir, man. Avec tout ce que je t'ai dit qu'elle a fait là. Si tu veux, tu meurs. Meurs bien la vie. Suis un peu. À Monaco, elle vend le piment. À Central Bar, elle vend le piment. À la carrière, elle vend le piment. Chez les tétés, elle vend le piment. Tu veux arrêter? Elle même pas quoi? Ça va, laissez-moi, ça va. Attends, moi, t'as dit que ça, c'est un grand bout. Moi, je suis prêt avec lui, on est ensemble. Gamo go beta, yes, sang. Big Love Music. Bolé pour ma guérie, ça se vend le corps. Ah oui, ça c'est le cas du polo. Je suis là pour vous raconter l'histoire des filles de nos quartiers. Elles ne travaillent rien, mais font des grosses tontines. Voilà dans leurs secrets. C'est l'histoire d'Emily. Elle a beaucoup de dos. Elle met les péruviennes, elle met les brésiliennes. On se demande partout quel est son secret. Oh, je vous le jure, elle vend le piment.